Diane Dufresne, pour moi, c'est une de nos plus grandes artistes. Elle avait ses périodes, elle a sa période de personnage un peu comme ça. Moi, c'était toutes des femmes qui dansaient, puis elle appelait ça Mambo. Mais toutes les œuvres qui sont ici sont inédites. C'est pas mon centre d'art, c'est un centre d'art qui porte mon nom, mais c'est un centre pour le public. Tu reconnais tout de suite le style Diane Dufresne. Ses personnages qu'elle fait, tout ça, les couleurs. C'est une artiste qui a toujours été à l'avant-garde. Mais je trouve ça bien que la culture, il y ait des centres comme ça ailleurs que Montréal. Décentralisation, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé le discours de la mairesse, oui. Et on souhaite, on fait le pari aussi que ce centre puisse attirer dans l'avenir non seulement des artistes d'envergure comme Mme Dufresne, mais qui donne le goût à tous les gens du Grand Montréal et d'ailleurs au Québec de venir visiter Repentigny. Content. Je trouve ça tellement beau leur histoire en plus, qu'ils ouvrent ce centre ensemble et que lui fasse une sculpture magnifique avec du Diane dedans. C'est des créateurs extraordinaires et j'ai vu la photo qui a inspiré Richard Langevin pour faire le profil de Madame Dufresne dehors. Et venez voir ça, c'est excellent.